Bonjour, comment ça va la mif? Comment allez-vous? Je baisse la musique, ça va ou quoi les refs? Le premier, enfin, j'ai envie de dire sur les jeux. Attends, je vais me mettre sur la petite vue de chat, normalement il y a ma tête qui apparaît, je suis hyper bas, on va baisser la cam. Voilà, de bon matin, c'est de bon matin, c'est première pour moi que je stream de matin. Moi je vais baisser par contre. Bon, écoutez, course. C'est pas là, c'est Pro Team. Pro Team, j'en ai pas lancé et le dernier que j'ai lancé, c'est l'année dernière, ça a duré 2 épisodes. Donc bon, ça va être une nouveauté pour nous, hein, ça va être une nouveauté. Les bases, on s'en fiche, on se met en légende. Si Anid. Alors là, on va faire la m'aider là. Ouais, il y a Belling. Belling, il est pas mal, hein. C'est vrai que Belling, il est rarement pris en plus. Ouais, vas-y, ça me chauffe. Belling, ça me chauffe. En vrai, Belling, on l'a jamais pris, hein. Belling, j'ai rarement vu. Vas-y, j'ai envie de le prendre. Bah, tiens. La Belling Pro Team. Pas mal, Belling Pro Team. Belling. Vas-y, on va pas se faire chier sur le nom, hein. Belling Pro Team. Appelé. Belling Corp. Belling Family. Ah, je suis mort. Non, vas-y, on va laisser comme ça, on va mettre Pays-Bas. Belling Pro Team des Pays-Bas. Bon. On va prendre des mecs du Pays-Bas aussi. Hop, Arensman, ça va dans l'équipe directement. Rensman, non, ça va dans l'équipe directement. J'aime pas ce qu'il vaut. Ouais, bah peut-être il est pas mal. Ça se trouve c'est pas mal à Rensman. Tac. Bon. On va prendre un petit. Ah merde, je me trompe de touche. Au niveau du ballon, Schelling. Ouais, Schelling il coûte cher. Hein. Ouais, Schelling il est cher. Hein. Yo Lucas. Schelling il est très très cher. Antoine Toulouk. Il y a Toulouk ici qui était pas mal. Au niveau des sprints, on a Ramon Sinkeldam. 74 sprints, 75 Axel. Attendez, parce que là, faut que je mette une autre place ici. Montage de Tuns, c'est qu'il a 65 montagnes. Le petit 65 montagnes, j'avoue qu'il le met très très bien. Bon, dans tous les cas, on va pas prendre que des mecs du Pays-Bas. Hein. Oh. Oh. Voilà. Ah, ça me bute. Allez. Allez, mon gâté. On a qui? On a Rosen ici. En tant que polyvalent, c'est combien? C'est 6 coureurs. Il nous reste 184 000 de budget. On est large. On va prendre un ballon. Schelling, c'est quand même. En plus, ah ouais, c'est vrai qu'il a gagné lui. Schelling, c'est combien en ballon? 76. Et bon, c'est un peu moins bon que par exemple Kalmush dans d'autres trucs, quoi. On va voir un look. C'est l'équipe ou quoi? De quoi les gars? Tac. Il est où Vanouk? Il est dans quoi Vanouk? Dans la montagne ou quoi? Ah, il est là. C'est vrai que Vanouk ça peut être pas mal. En deuxième coureur. Il aurait 150 de budget pour 3 coureurs, mais on est large en fait. Et l'un dernier à 38 000. On n'a pas de mec polyvalent encore. On va prendre Van Gestel, hein, comme ça, ça fait rester en plus dans. Attends, mais Van Gestel, polyvalent, normalement, c'est pas des mecs bons en chrono. Pourquoi il est nul à chier en chrono? Il y a quoi qui est bon, Van Gestel, en fait? Il est bon dans quoi, ce mec? Sortez qu'il est bon en descente, quoi. Ah oui, mais attendez, ça. Ah oui, c'est vrai que ça trie par prix. Attendez. Lui, je le vends. En polyvalent, on aura peut-être mieux là, du coup. Voilà, on aura. Ah, voilà. Je vais prendre Van Emden, c'est pas mal en polyvalent. Et là, je vais prendre mon deuxième sprinter. C'est équipe nationale ou quoi? Prends Fosse. On essaie de rester un petit peu dans notre style. Bah, après, ouais, de toute façon, on peut prendre n'importe qui. Il y a Offland ici. Offland, ça peut être pas mal parce qu'on a déjà deux grimpeurs.
Vas-y, on va se prendre un petit. Ouais, quoi qu'on peut, on peut prendre mieux. Hein. Toge Vanderson, c'est pas mal, non? Toge Vanderson, vas-y, on va prendre Vanderson. On va prendre. Ou alors, on peut prendre peut-être. Soup, il a 64 montagnes. Tac, 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 tac. Allez, Gert, il a combien? 56, ah ouais. On va prendre. Soup. Pavé, c'est une lettre. Je pense que c'est inversé entre récupération et pavé, les gars. Je pense qu'entre récupération et pavé, c'est inversé, à mon avis. Genre, pavé. Pavé doit être au-dessus de récupération, récupération en dessous. Parce que c'est récupération, c'est des notes. Ouais, c'est un bug, c'est un bug. Bon, voilà notre équipe. Ici, on aura donc Arensman. Hein? Pourquoi je peux pas? Ah, ok, voilà. On aura donc Arensman en tant que leader pour la montagne. Pascal Nkourne pour les sprints. Arm Van Hook en deuxième leader. Geoffrey Soupe en sprint. Van Emden en polyvalent. Et Liam Calmejean en tant que puncher. Mais écoutez, allons au calendrier. À noter que je n'ai pas fait pour l'instant. Je n'ai pas test. Donc voilà, ça va être une nouveauté. On va regarder un petit peu. Pour les pics de forme, du coup, on a combien de courses sur la saison? On a 3 courses sur la saison seulement. Pour les 3 jours de la Provence, c'est carrément parti. C'est carrément parti, les gars. Allez, hop, c'est pas trop fort. Fayence Marseille, Barème Vence, Manosque, Plateau de Cossol. On est dans le sud aujourd'hui, on est dans le sud. Et c'est parti, c'est carrément parti. J'espère que le son du jeu sera pas trop fort. Parce que là, j'ai pas mon putain de chat. Là, serrez-moi pas, là-haut. Oh, Bévin. Oh, et Bévin, élimination. Moi, j'aime bien le maillot, hein. J'aime bien le maillot, ça change un petit peu, ça fait plaisir. Oh mais c'est quoi ça? Oh, comment je me suis bloqué de fou. Allez, on va y aller, on va attaquer. Attaque de Jos Van Emden, ici la première attaque de ces 3 jours de la Provence. Elle est signée Jos Van Emden, les collègues. On pointe au sprint, on va se faire fumer. On va se faire fumer par Tulette là. Nous on n'est pas très rapide avec Van Emden. Putain, l'IA qui lâche pas dans les virages, c'est quand même quelque chose de beau ça. Ah ben Pente, il y en a un qui a lâché, hein. Il y en a un qui a bien lâché derrière. Allez, Ben Tulette qui lance le sprint, Jos Van Emden juste dans la roue. Allez Jos, peut-être, 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 alors peut-être, oui. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, bien sûr que ça passe ici. Comment ça, on se fait fumer? Comment ça, j'ai osé partir défaitiste? Comment j'ai osé partir défaitiste? Bien sûr que non. Ici, ça win les sprints. Ici, ça win les sprints. On va passer sur Pascal. Parce qu'il y a quand même un petit maillot. Ah, ouais, c'est vrai que je... Mais ouais, je l'ai pas... Ah ouais, bah oui, non. Bah, la prochaine fois, je vous écouterai, hein. J'ai oublié de lui mettre le rôle... J'ai oublié de lui mettre le rôle de jouer des sprints inter. Voilà, ma faute. Oh super, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé à un endroit. Je me suis retrouvé totalement coincé. Allez, on a la roue à Brian Coquard ici. Ouais, jamais de la vie, on fait top 15. Ouais, du bon monde, Mathieu Boigny, Coquard. Ah, si, on va quand même faire le top 15 ici. Bonifadio. 12ème, 12ème, je crois. 12ème, 12ème, 12ème. Ah ouais, nul. Ah, vous pouvez m'insulter. 12ème. Bon, ça a toujours le bug de l'oreillette. Hein. Toujours un petit peu le bug de l'oreillette. Oh, Pascal qui traverse tout le monde. Oh, Pascal qui traverse tout le monde ici. Quentin Paché qui sprint. Oups, oups, oups. Virage un petit peu raté. Hein. Virage un petit peu raté ici. Et on se met en L'échappée aéro. est en train de On est résister bien, au on est retour du très très peloton, bien. En plus, mais ça ça va descend. être C'est rapide hein, compliqué. jusqu'à la fin. C'est quand même assez rapide jusqu'au dans le final là. Mais là on est de 7%. Allez, hop, fin de la descente. Fin de la descente ici. C'est tout plat et quasiment tout droit maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah, c'est notre équipe qui roule. Ah, c'est notre équipe qui roule. Arensman et Geoffrey Soupe qui s'arrachent ici. Oh, c'est beau, ça c'est des choses qu'on aime voir. Attends, Arensman, c'est pas mon leader montagne? Oh non, c'est un des leaders, mais c'est pas grave. C'est un des leaders, c'est pas grave. On jouera avec Van Hook, je pense. On verra bien, de toute façon, en vrai, pour l'instant, c'est galère parce que les deux sont pareils. Mais bon, au moins, on a fait un choix. On a fait un choix. Encore 5 km. Manzin, Ça déjà va être distancé. très compliqué pour l'échapper. Si elle résiste au retour du peloton, ce sera un véritable exploit. 5 km pour l'échapper. Ça va être chaud pour la victoire d'étape. Allez, Pascal. Allez, je suis concentré là. Allez, je suis concentré là. 4 km. Dubois Sahnaguen qui emmène ici Bonifadio. Matteo Trentin est présent ici. Quentin Paché, ouais, ça va se faire reprendre pour l'échapper hein, dans le final. Hein. Siskevicius Van Emden, ça va se faire reprendre à moins de 3 km de l'arrivée. Ouais, Siskevicius en plus qui attaque Van Emden. Ah, c'est moche, hein, c'est moche.
Allez, 2 km. Et c'est repris pour Suskevicius. Allez, oh, oh non, 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 pas les blocs, pas les blocs, pas les blocs, pas les blocs. Et voici la flamme rouge. Allez, on lance, on lance, on lance. Dernier Geoffrey Soupa à ma droite, Geoffrey Soupa à ma droite. Michael Matthews, Pascal. Oh, ça va être trop juste, ça va être trop juste, on a plus de barre. Non, on a lancé trop tôt. On a lancé trop tôt, cinquième. Ah, dommage. On a lancé trop tôt, je me suis chauffé. Je me suis chauffé, on a lancé trop tôt. Terrible. Oh, mais qui gagne là? Oh, je suis mort. Wesh, mais qui c'est qui gagne là? C'est peut-être le Vital? Ah, j'ai... Non mais là, c'est quoi ça? Attendez, on peut zoomer normalement. C'est quoi cette photo finish de l'enfer là? Et on fait 4. Bah non, on fait 4 du coup. On a quand même passé devant Trentin. Étonnant. Je me voyais pas 4ème, mais bon. Tant mieux pour nous. Bon, bah écoutez, première étape, Brandon qui perd du temps, mais on s'en fiche. Et tout le monde arrive dans le même temps. Tu as gagné quelque chose. Eh ouais les gars, on repart avec un maillot, on aura des points. Les points UCI. Allez, Valence. Frotte un petit peu et ça va passer, mon grand. Hop, les gars, attaque de Geoffrey Soupe. Le classement grimpeur, c'est vraiment le point stratégique de la journée. Il faudra... Oula. Bon, le burger est cuit, Guerrero est cuit. Alors peut-être pour Geoffrey le premier. Ah, ça passe. Deux points. Vamos. Geoffrey Soupe qui fume Guerrero et Mulberger sur un grimpeur. La plus belle barbe de France, les collègues. C'est une machine. On va avancer jusqu'au sprint inter, mais on jouera avec Pascal. On jouera avec Pascal, on va pas jouer avec Soupe ce sprint inter. Allez, on lance avec Pascal pour aller chercher une potentielle quatrième place ici. Oh, ça va le faire. Oh, ça va le faire. Oui, ça le fait en plus. Bien sûr que ça le fait. Large en plus devant Nasser Boigny et Brian Cocker. Oh, on était que 3 à le jouer. Ah non, ça l'a joué quand même derrière. Ça l'a joué pour Phil Boss. Oh, il est là, Matthews. Matthews, il a même pas fait top 15, ça se trouve. Ah, c'est 12ème quand même. Il va pas falloir lancer trop tôt. Hop, on se met dans la roue à Guerrero là. Allez, on sait que sur la fin du sprint on peut le fumer. On sait que sur la fin du sprint on peut le fumer. Allez, on donne tout. Est-ce que Mulberger va quand même réussir à nous passer? Mulberger, Geoffrey Soupe. Mais Geoffrey Soupe le grimpeur. Mais Geoffrey Soupe le grimpeur, j'ai que ça à dire. Regardez où il est Guerrero. Disparu. Oh là là, mais Geoffrey Soupe. Geoffrey Soupe, c'est un grimpeur. Voilà, on a la preuve que Geoffrey Soupe, en fait, depuis le début. Il nous cache ses talents en montagne. Reste à côté de Mulberger. On va faire autant d'efforts que lui. On bloque un peu Guerrero, mais bon, c'est pas mon souci. Oula. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Let's go, let's go, let's go, let's go. Mais oui, Geoffrey, encore une fois. Magnifique. Oh, quoique. Non, ça passe. Loup. Un pro cycliste ou en carrière, du coup? Le coureur qui franchit. Je sais pas, bah, en vrai, je. Va le dire peut-être dans le chat français le ou quoi de TDF, là, du Discord. Il est en train de se faire décramponner. Peut-être pour voir si t'es le seul à avoir eu ce problème ou pas. Je pense que tu peux aller le dire sur leur truc et tout. Comme ça, tu sauras si t'es un peu le seul. Et c'est parti pour ou la pas dans cette autre. Oh, Mulberger qui va peut-être aller chercher un grimpeur du coup. Mulberger qui va peut-être aller chercher un grimpeur. Oh putain. Allez, je monte à bloc. Hein. Dans 2 km pour l'échapper. Ah, ok, je sais pas. Je ne saurais pas te dire. Je suis sorti, hein. Je suis sorti sans faire exprès devant Nook. Nouveau jeune en tête du classement des moins de 25 ans. Et c'est toujours un gars de l'équipe. Ah, pendant 2 secondes. On est sorti sans le vouloir. C'est pas mal, hein. Oh, ce mur. Oh, le mur. 23-25%. On a eu des pentes à 25%. Ici, on est dans 10 km/h avec Karim Van Nook. Attaque apparemment de Domenico Pozzovivo à l'arrière. Mais les attaques sont lentes. Oh, par contre, ici, là, quand tu choisis un pro cycliste, un pro leader, pédalage lent. Vous avez 30 secondes d'avance. Affreux. Allez hop, je remets une petite accélération. Je remets une petite accélération ici. Propre ce mur, incroyable. Et c'est sorti hein, pour un Van Nook. Rui Costa, il n'est plus là. Formolo avec Pozzovivo qui sont. Allez, on est bien sorti là. On est quand même très bien sorti là, dis donc. Et par contre, je vais les mettre tous en suivre les attaques. Hein. Je vais les mettre tous en suivre les attaques là. Continuez comme ça, allez. Allez, on Van Nook qui va basculer ici. 40 secondes sur un peloton actuellement.
Allez, 40 secondes sur le peloton. Allez, on va en hook. 50 secondes, hein. 50 secondes, alors peut-être, hein. Allez, on va se mettre en quand même un petit peu en... Ouais, mais là, c'est pareil, là. C'est un mur en descente. On est à 100 km/h, on a fait 99. Merci Artox pour le follow. N'hésitez pas à follow, les gars, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous sub pour ceux qui peuvent aussi. Ça aide la chaîne et ça fait plaisir. Et on est 13 secondes sur le groupe de 3 coureurs derrière nous. 13 secondes. Un équipier vient de se faire lâcher, mais on s'en fiche. Ne comptez plus sur lui. Qui c'est qui est en train de rentrer? Formolo, Costa, Pozzo Vivo. Bah écoutez, on a Costa qui aide Formolo. Pozzo Vivo qui suit. Freewin. Pour l'instant, c'est pas Freewin quand même. Pour l'instant, c'est pas Freewin. Il reste quand même 5 km. Et pas 5 km super facile non plus. Bon, dommage, on peut pas zoomer. Ça m'énerve ça. On peut pas zoomer, ça me saoule. Et les deux UAE, à mon avis. Eh, Panty va être trop bien. Là, il va être trop bien, Formolo là. C'est peut-être Formolo qui va avoir Freewin. Hein. C'est peut-être Formolo qui va avoir Freewin là en vrai. Hein. Faut que je me calme un petit peu parce que sur la barre bleue on va pas tenir jusqu'au bout comme ça. Allez Costa. Allez, on voit nous qui a quand même fait une très très belle performance ici. Il va prendre son ravito rouge. Allez, 4 km, je crois qu'il y a une partie encore où c'est un petit mur et après c'est tout plat jusqu'à la fin. Allez Costa qui emmène toujours Formolo pour l'instant. Allez, allez on voit nous. Et ouais, là c'est effectivement, là on a une petite partie assez dure. De nouveau avec un petit semblant de mur là. Du 8, du 9, du 10% presque. Allez, on va nous que ça bascule. La bascule elle est là, et Pozzo Vivo qui fait le jump. Ouais, c'est normal, et 36 secondes dans le peloton. Hein. Plus que 36 secondes dans le peloton, et Formolo qui fait toujours pas le jump. Il y a juste Pozzo qui tente de faire le jump. Mais il est pas rentré, il est pas rentré Domenico Pozzo Vivo là. Il est pas rentré Pozzo, 2 secondes ça peut être long. Ah, il va rentrer. Est-ce qu'il va rouler? Allez, ça va se jouer entre moi et Pozzo. Ça va se jouer entre moi et Pozzo. Pour ce sprint là. 30 secondes entre vous et le peloton. Pour les hommes de tête, il ne reste plus qu'un kilomètre à parcourir. Et c'est au sprint qu'ils vont devoir se départager. Allez, Van Hook, c'est pour... Il est pas rapide. Pozzo, il est plus rapide. On va tomber en défaillance peut-être. En Van Hook, Pozzo, en deuxième. Le deuxième, aïe, terrible. Oh là 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 là. Super les gars. Ok. Bon, du coup, c'est les roues comme jamais, Pozzo. Ouais, je te jure, il s'est fait emmener par les deux UAE, après il contre et tout. Ah, Pozzo, c'est pas du beau vélo, ça. Bon, du coup, eh, Pascal, 21ème, sans qu'on contrôle. Solide. Donc, on est actuellement deuxième au classement général avec Arm Van Hook. Pozzo est en tête. Ouais, Pozzo, ça va être chaud d'aller chercher Formolo Costa Solaire. Meilleur grimpeur, 15 points pour Geoffrey Soupe, 6 pour Mühlberger, 5 pour Van Hook. Il a écrasé tout le monde. Coquard, meilleur sprinter, meilleur jeune. On est 3 premiers, on est top 1, 2, 3 au meilleur jeune. Comme ça, au moins, c'est parfait. 8 km après le sommet. Ouais, j'ai cru Pozzo, il attaquait. Je me dis quoi? Ah ouais, mais non, je suis mineur. Ah ouais, c'est vrai que c'est 15 juin, mineur. Mais mec, il y a Sivakov avec ton échappé, mais frérot. Allô? Sivakov. Belle attaque à l'arrière. Ah ben là, oh, les grimpeurs. Ah oh, Sivakov, Bouchard. Ça va les gars. On vlaine pas trop. Ça monte au sprint. Hein. Ça monte au sprint ici. Bouchard, Paulès sont tous les deux en tête. C'est même pas sûr que. Ouais, ils vont même pas passer ce grimpeur en tête, je pense. Hein. C'est même pas sûr qu'ils passent ce grimpeur en tête. On va bien voir. Pozzo Vivo, il est présent ici. Et aujourd'hui, il y a une belle étape au Dauphiné, les gars. Je sais pas si vous allez regarder. Il y a une sacrée étape. Hein. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Il y a une sacrée étape au Dauphiné. FC David, hein. FC David, encore une fois. On espère. Ouais, Bouchard Paulet, c'est fini. Hein. Bouchard Paulet, c'est fini. Bah, peut-être que du coup, ça va peut-être nous assurer un maillot à poids avec Geoffrey Soupe. Et non, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas, Geoffrey Soupe, maillot de meilleur grimpeur. Assez surprenant. En tout cas, je kiffe bien. En vrai, le pro team, moi je kiffe. L'année dernière, j'avoue que j'avais pas continué parce que ça faisait zéro vue, tout simplement. Vous avez pas kiffé du tout. Ouais, moi je pourrais pas voir l'étape. Ah, moi non. Enfin, moi je serais sur le vélo sûrement, mais bon. On guettera quand même entre deux, trois sprints. À l'attaque de Mollard. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête.
Un Bouchard qui se fait avoir à cause de Champoussin et Dan Martin. Bouchard qui se fait avoir à cause de Champoussin et Dan Martin. Mais par contre, il y a du vent en haut en plus. Mais par contre, là, moi, je suis pas super. Hein. On l'a connu mieux quand même. Hein. Bah, Pascal est encore là. Mais incroyable, par contre, son niveau là. Je fais pas de petits sprints comme ça inutiles. Il restera 5 km de replat pour les coureurs avant de commencer l'ultime difficulté de cette étape. Ils devront aussi se méfier du vent qui, s'il souffle fort, pourrait bien entraver leur progression vers la ligne d'arrivée. Ah, en fait, ouais, j'ai dit Pascal encore là, c'est juste mon équipe est trop nulle. Hein. En fait, on est encore 100 dans le peloton, j'avais pas vu. Je pensais que c'était un truc incroyable qu'il avait fait, mais non. Ça marche, je me ravitaille. Oh, la voix de Pascal. Putain, ils auraient pu mettre la vraie voix de Pascal. Avec le Mano. Merci Rico pour le follow. Merci beaucoup mon ref. Oh là là, un breton. Elle est breton. Oh là là, là mais quelle chute spectaculaire. Oh, aïe. Et le bot cassé. Hein, le bot cassé. Merci beaucoup Scooby Golf. 13e mois pour Scooby. Merci beaucoup mon frérot. Ça c'est beau ça. Merci beaucoup pour le sub, ça fait plaisir. Allez, 15 km de l'arrivée. Vous avez même pas de son. En même temps, le son est hyper bas. Ouais. Et il se passe quoi là? Sinon, on se regarde tous dans le blanc des yeux, les gars. On se regarde tous dans le blanc des yeux. Pareil, peintre qui attaque. Oh là 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 là, mais quelle chute spectaculaire! Oh là là! Merci beaucoup! Merci beaucoup, mes fils! 9e mois! Merci beaucoup, mon ref! Le resub, ça fait plaisir! Oh, 9 mois, incroyable! C'est carrément incroyable! Merci beaucoup, les gars, pour les subs, hein, vous me régalez. Hein. C'est Shaki, ok. Shaki qui change de pseudo. Merci Sky Team pour le follow. Au pied du col du Ferrier. Plus de 4. Pourquoi ce changement de pseudo à 6,8%. Pourquoi ce changement de pseudo moyenne. De quoi faire la différence, mais attention, il faudra quand même être en mesure de maintenir l'effort jusqu'à la ligne d'arrivée. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Et Paré-Pan qui est bien sorti, accélération. Michael Google, Rui Costa, Formolo dans la roue. Allez. Il est Schelling qui a gagné. Hein. Il a gagné une course, hein, j'ai vu. Première victoire en pro, il me semble. J'ai vu ça. Et Champoussin qui va avec Pierre Latour. Ah, mais Paré-Pan s'est fait reprendre. What? Il s'est relevé, non? De plus qui va aussi. Pseudo sur mon enfant, Craft. Ok, ok. Il est toujours là mon frérot Rensman, il est toujours là. Attaque de Pierre Latour ici. Madou Asmolar qui sont bien présents à un côté de l'autre. Cette dernière ascension est classée en deuxième catégorie. Le vainqueur de l'étape marquera donc 5 points pour le classement du maillot à poids. Les gars, le sommet est dégagé, mais aujourd'hui le vent ne souffle pas assez fort. Hey, il me bloque, mon propre coéquipier me bloque. Bon, apparemment il n'y a pas de vent, il a dit. On l'a entendu. C'est sorti, hein. Ça fait une cassure. On est dans le groupe de tête ici. Et c'est le plus important. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Ouais, toujours pas pris notre ravito. Hein. Ça, c'est un bon point aussi. Ouais, nous, ouais. Notre... En vrai, là, ce qui nous fait chier, ça va être Pozzo. Hein. Le seul qui va nous embêter, ça va être Pozzo. Attaque de Ciccone. Attention, ça attaque. Ouais, vous avez vu. Ouais, ils ont vu. Ils ont vu le maillot blanc. Il était là, aux affûts. C'est indispensable pour conforter notre place de leader. Ouais, mais le maillot à poids, Soupe, il en marquera pas. Hein. Soupe, je sais même pas où il est, mais il doit pas être par ici. Hein. Soupe, il est pas par là, mon ref. Hein. Allez, faut reprendre Ciccone et Formolo. Formolo, c'est très dangereux pour le classement général en plus, on le sait. Allez, hop, voilà. Hop, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux devant. Je vais même mettre un gros tempo jusqu'en haut du col là. Voilà, comme ça en plus on a limité les attaques. On va finir notre ravito jaune. On n'est plus que 29 dans ce groupe de tête. Samoman qui va rouler. Et là on est parfait. Là je crois qu'on est juste parfait. Et j'aimerais bien en foutre une. On va attendre un petit peu. Peut-être que le vrai sommet arrive. C'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée. Car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Mais on l'a vu l'arrivée en petit faux plat descendant, on l'a vu. Hein.
vous inquiétez pas qu'on l'a bien vu. Attaque de Solaire. Attaque de Marc Solaire ici. Ouais, non, il se relève. Il se relève, Solaire. Merci Mitch pour le follow. Merci beaucoup les gars. Maillot jaune toujours là. De toute façon, si on veut gagner, il faut falloir attaquer, je pense. 5 km, ça va commencer à descendre. Et là, faut y aller. Hein. Gros Charter est sorti devant. Et là, le problème, est-ce que j'attendrai pas un sprint? Bon, avec Van Hook, je suis pas le plus rapide, hein, je pense. Hein. Ouais, mais je peux pas attaquer, hein, parce que si j'attaque, c'est mort. Si j'attaque, c'est sûr que je me prends tarif derrière. Regardez notre barre bleue, comment elle est affreuse, là. Après, je me dis que doit être à peu près pareil pour tout le monde, mais... ça descend pas assez, quoi. Ça descend pas assez pour foutre une grosse attaque. Il est bien, lui? Il est pas bien, dommage. Ça marche. Je ravitaille. Attaque, Moras. À moins de 3 km de... Pas envie d'attaquer, apparemment. Personne n'a encore réussi pas envie, à apparemment. Eh bien, si personne n'attaque, ça va jouer au sprint. Ah, galère. Tu peux pas attaquer. Bah, le problème, c'est que si j'attaque, je suis mort. Hein. Si j'attaque, je suis mort, là. Je vais pas être très efficace. Eh, Vanouk, vas-y, finis ton ravito, là. Voilà, maintenant, vas-y. Pas Vanouk. Ok. Rensman, pardon. Ok. Allez, on arrive au sprint. On arrive au sprint plus ici. 2 km pour les hommes de tête. Et personne n'a encore pris l'ascendant sur ses adversaires. Cela devrait se jouer au sprint. Allez, Van Hook. Allez, mon Van Hook. Allez, ça descend. Tu peux y aller à bloc. On a bloqué Herman sans faire exprès. Voilà, forcément, on bloque des types sans faire exprès. Mais bon, là. Ah non, fini pour nous. Fini pour nous, malheureusement. En plus, Pozzo qui va venir prendre des bonifications. On finira que deuxième. Merci Flo également pour le follow. On finira que deuxième. Dommage. Ce sera une deuxième place générale. C'est pas mal pour une première course, mais bon. Bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape que nous. Deux maillots. Du coup, classement général, on va faire deuxième, 10 secondes derrière Pozzo et Arensman. Lui finit 18. Meilleur grimpeur, du coup, large. On fait 1 et 2. Classement par points. Ouais, Pascal, c'est un peu trop loin. Pozzo qui revenait bien. Van Hook, meilleur jeune devant Arensman en plus. C'est parfait. On est 6ème à la meilleure équipe et on a le plus combatif. Ok. Bah écoutez, début de saison, la Belling Pro Team est la meilleure équipe de la saison. Vous ne rêvez pas, on va simuler toutes ces épreuves là. Allez, on va se faire une ou deux étapes ici. Et après, on se laissera là, malheureusement. Puisque voilà, je vous avais dit que je vais jusqu'à midi. Tac. Pontchâteau, Sarzeau, Concarneau, Quimper, Saint-Gozec. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça. On a encore Pascal pour les sprints. On a également potentiellement Geoffrey Soupe. On aura Calmeuge en tant que grand leader. Rensman, non. Rensman, mon ref, on va te changer ton rôle. Au de Rent. Attaque de Joss Van Emden. Attaque de Van Emden ici. Allez, et ça contre toutes. Un début août. Jamais arrivé quoi. Enfin, s'il est arrivé, mais. 8 mois après. Donc... Est-ce que ça compte? Je sais pas. Oh, le bloc des fous là. Allez. Oh, ça passe. Oh, Pascal qui s'est frayé un chemin de fou. Oh, le mec s'est frotté. Là, ça c'est pas un rigolo. Et en plus, ça va venir chercher le sprint d'Inter sans problème devant Degenkolb. Kokar et Boos. Perfecto. On est dehors pour le sprint. Il est aussi mal placé. Ouais, vas-y, c'est foutu pour moi. J'arrive même pas à remonter. Ouais, mais quoi? Mais oh, Lucro, je me. Oh, Ineos ennemi de la nation. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Oh, alors peut-être. Allez, Pascal. Oh, ça sera incroyable. Attention, oh, c'est carrément incroyable ce qu'on vient de faire. Oh, mais les gars, mais là on win là. Là on win l'étape là. Oh, ce qu'on vient de faire, on a rattrapé tout le peloton, on est passé sur la gauche. Gauche, droite, bim, bam, boum, ça me rappelle un sprint de Dan McLay. Oh, c'est carrément incroyable ce qu'on vient de faire là. Oh putain, je me fais tracer. Ouais, le vent sur PCM, c'est sur cheat, les gars. L'avantage sur TDF, il est bien. Hein. Sur TDF, il est bien fait. Oh, ça craque derrière moi. Oh, ça vient d'exploser derrière moi. Comment je fais là? Je suis trop mal placé en plus. Ça vient d'exploser derrière moi. Oh, ils ont pris 30 secondes dans la vue en plus. Hein. Vas-y, j'arrive pas à remonter, ça m'énerve. C'est quoi cette dinguerie là? J'arrive pas à remonter. Mais le vent sur PCM, le problème c'est qu'il est tout le temps. Sur TDF, il est pas tout le temps, ça c'est cool. Sur PCM, tu l'as tout le temps. Donc, et en plus, du coup, t'es grand 30, 40, 50 km/h. T'es sûr que ça bordure? Allez, je vais aller me placer à droite là, moi.
reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Voilà, on a dos. C'est pas mal. On est encore à 15 km de l'arrivée. Et bien que l'échappée fasse de la résistance, le sort de cette étape devrait se sceller par un sprint massif. Hop, allez, mon gâté. Allez, faut que je me mette dans l'eau là. Voilà, je suis bien là. Et derrière, ça a bien cassé. Hein. Derrière, ça a cassé dans tous les sens. Espérons qu'il y ait des favoris. Nous, Calmeuge, il est toujours là. Calmeuge, il est bien placé en plus. On va donner le gel rouge à tout le monde. D'accord, on se ravitaille. Ouais, en tout cas, le Piscine Phoenix, elle est pas là pour rigoler. Hein. Eh, quand même 30 secondes les trois devant, hein. Ils ont bien tenu quand même. Hein. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Van Den, il vient de se faire lâcher. La Karensman. D'accord, pourquoi pas. Là, je suis bien, moi, je suis bien protégé. Là je suis bien protégé. Hein. Bon, là, un peu moins. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Là, si je me mets par là, là. Alors, Boigny, il est parfaitement placé. Là, je suis bien, là, je suis très bien. Là, par exemple, là, je suis très bien. Là. Bon, voilà, plus maintenant. Ah, c'est galère, hein, c'est galère. Attends, ouais, mais j'ai tout le monde qui craque là. Bon, voir nous que. Vas-y, on va. Bah, reste, accroche-toi sans limite, mon ref. Hein. Accroche-toi sans limite, mon ref. On va donner le jet bleu à Calmeuge. Moi, j'ai pas tardé à la prendre. Bon, je sais pas quand est-ce que la zone se finit, mais. Mon jaune, mon bleu, pas ouf. Résister au retour du peloton. Mais ça va être compliqué. Mon bleu, pas fou. Hop, 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 hop. Allez, mon grand. Driss de Bond, Philipsen sont présents. Et Philipsen au sprint, ça va être solide. Hein. Philipsen au sprint, ça va être solide. Voilà, on est parfaitement abrité. Il reste plus qu'Ouimans devant, qui va pas tarder à se faire avaler. Parce que derrière, là. Bon, mon Calmeuge est tellement bien. Mais limite, je peux jouer le sprint avec Calmeugène, là, les gars. Limite, je pourrais jouer le sprint avec Calmeuge, là. Hein. Bon, la zone devant, on devrait bientôt être fini, non? Elle va pas durer. Ça fait longtemps qu'elle dure, la zone devant, là. Eh, hey, je dis pas ça parce que je suis en train de décéder, là. Pas du tout. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt... Voilà, le vent, il est plein face, quasiment. Voilà, pente, il va revenir de côté. Si tu démarres trop tard... Là, ça va refaire des cassures, potentiellement. Voilà, ça se trouve, à tout moment, le sprint est sous le vent. Hein. Ça se trouve, le sprint est sous le vent à tout moment. Calmeuge, je sais pas où il est placé, là. Calmeuge, là. Ah, il est là, il était à ma droite. On l'a vu à ma droite. Allez, allez mon grand, 6 km de l'arrivée. Ouais, ça roule fort, hein. Ça roule plutôt fort. Hein. Ah, et là, ça va être. On va l'avoir plein face. On va l'avoir plein fer le vent. Eh bien, vu la Mais jure, le sprint, il va être au vent. Il est plus que probable que ce soit un sprinter qui inscrive son nom au palmarès. On va vraiment avoir un sprint avec en vent face. C'est quoi ton avis sur les jeux? Est-ce qu'il pourrait améliorer? Bah, pour moi, je vais pas te mytho que mon avis. Pour moi, c'est, comme je l'ai dit, un mot, c'est honteux. Enfin, surtout pour PCM. Mais attendez, mais moi, jamais je peux faire le sprint avec Pascal, là. Enfin, je te dis, on en parlera après. De toute façon, c'est la dernière étape, là, les gars. Après, moi, je devrais y aller. Ah, je crois que je vais passer avec Calmeuge, hein. On va passer avec Calmeuge. En plus, il est idéalement placé, Calmeuge, là. On va le tenter, ce sprint avec Calmeuge. On se dit que voilà, ça va être un sprint différent d'habitude. Il accélère. Donc, pourquoi pas. Par contre, s'il est plein face comme ça, il va falloir lancer à 500 mètres, hein, concrètement. Tac, tac, tac. Je peux pas lui dire de sprinter. Je vais dire de suivre les attaques et je vais dire de prendre son gel rouge. Putain, Pascal, il a une belle voix. Hein. Ah ouais, non, le sprint est vraiment sous plein vent. Va falloir rester dans les roues, hein. Va falloir suivre le sprint. Hein. Là, ça va être quoi? Ça va être une galère, ce sprint, là. Et c'est parti pour le sprint. Dernier kilomètre, faut sprinter.
Galère avec Calmeuge là. On va quand même venir chercher un top 5 à 4ème. 4ème avec Calmeujane. Dommage, j'aurais pu faire mieux encore. Bon, bah voilà, Calmeujane, 4ème place, c'est pas mal. Ça se trouve qu'à tout moment, il y a des favoris qui ont été distancés. Je pense que c'est même sûr, hein. On arrive à 40, donc il y a forcément des leaders au classement général qui ont été distancés. C'est vrai qu'il y a du Jakobsen, Tennyson qui a été distancé pour le sprint. Ok. Grimpeur, sprint. Écoutez, j'espère que ce petit live vous aura plu. Assez court, mais c'est pas grave, c'était le premier live sur les jeux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci pour les subs, pour les resubs, ça fait toujours plaisir. Merci pour les follow également.